Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Silent Hill 4. On se retrouve après avoir terminé le monde de la forêt et d'avoir récupéré une deuxième plaque ou affiche, je sais plus ce que c'est exactement. On a tout de suite deux numéros qu'on a récupérés aussi. Et donc là, techniquement, on va être transporté dans un nouveau monde avec peut-être d'autres aspects de scénario et ce genre de choses. Donc, c'est parti. Le trou s'est encore agrandi. Oui, la forme du trou a encore changé, on le remarque. Et je crois entendre des voix d'enfants. Tu veux y entrer? Oui, j'ai pas trop le choix de toute manière, donc on y va, on y pénètre, et c'est parti. Après le métro, après la forêt, qu'est-ce qui nous attend? Quelqu'un qui crie à l'aide et je fais une toute petite ellipse peut-être. Je sais pas comment ça va se présenter sur la vidéo. Donc ne vous étonnez pas si ça coupe. Bon, ça a coupé, mais j'ai pas réussi à régler le petit artefact graphique que vous avez sur le côté. Je suis désolé, je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment le régler. En tout cas, la forme de ce bâtiment a l'air intéressante, ce cercle. Ça a l'air d'être une prison. Allez, on est d'accord, c'est pas moi qui suis en train de marcher. Sais pas si c'est une prison, un truc sous la mer. En tout cas, on avait entendu quelqu'un hurler. Walter va me tuer. Il y a une note mal écrite par terre. Quel bol, j'ai enfin réussi à sortir de ma cellule. Je vais jeter un bon coup d'œil autour de ce bâtiment. Le sous-sol du premier fout vraiment la frousse. Il y a une cuisine au nord-est, mais à côté, au nord-ouest, il y a une salle de torture. Pour y entrer, il faut le bon code. Je l'ai pas et il faisait trop noir pour voir le clavier, alors j'ai pas pu entrer. Ok. Question de Walter, donc Walter Sullivan. Hein. On a entendu plusieurs évocations de ce type. He's gonna kill me. Walter's gonna kill me. He's gonna kill me. Apparemment, je ne peux pas lui parler. Il y a d'autres pièces. Get me out. Il y a un trou, plusieurs portes. Okay. Avant d'aller là, on va finir le tour. J'ai l'impression qu'on est au-dessus d'une source d'eau, peut-être d'un lac. Un aquarium. Je ne sais trop. Parce que ça, on l'a exploré, pas encore. C'est cassé. Je préfère être sûr d'avoir fait toute une zone. Ah. Sympa la corde. Il y a quelque chose d'écrit. Ras-le-bol de la surveillance. C'est tout.
Il nous reste une dernière porte. Bon, on va pas réfléchir, hein. Bon, on va se barrer très très vite de cette pièce de l'angoisse. Donc, on a observé tout le cercle avant d'aller sur les côtés et de voir d'autres choses et peut-être trouver la clé. J'imagine que ça va être un peu notre objectif, trouver la clé qui va permettre de libérer cette personne qui est enfermée. Apparemment, peut-être par Walter Sullivan. Mais avant ça, on va revenir chez nous. Ah. Chose qui se passe. La télé. Je ne me souviens pas avoir allumé ça. Même si je coupe l'électricité, elle reste allumée. On peut pas utiliser la télécommande. Je me souviens pas d'avoir appuyé sur le bouton de la télécommande. Ok. Ça, ok, je vais dire, mais en fait, ce que je voudrais, c'est regarder un peu. Non, je peux pas. Si. Faut bien viser au milieu, en fait. Toujours les trois lieux, hein, qu'on observe. Il y a toujours le lapin là-bas en montgolfière. Ici, bon, rien de particulier par ici. Ah, il y a un truc qui a été glissé au sol. Il y a un bout de papier rouge collé. J'ai de plus en plus l'impression d'être en danger de mort. J'ai pas eu une vie facile, mais je n'avais jamais ressenti cette peur viscérale. Au cas où il m'arriverait quelque chose, j'ai décidé d'écrire ce que j'ai appris. Ça pourra peut-être servir au prochain locataire. J'enquête sur les meurtres commis il y a 7 ans et qui ont tué 10 personnes en 10 jours. Elles sont mortes de plusieurs façons, mais avaient une chose en commun. Les numéros suivants étaient gravés sur les corps dans l'ordre de trépas. 01 121, 02 121, 03 121, 04... Ah, le nom de l'assassin était gravé lui aussi. Ok, donc c'est ça. Et en fait... Le 1121, c'est le premier. Cynthia venait après 1621 et 1721. C'était le mec qui bégayait et qui était certainement la source. Donc on a le même, peut-être le même modus operandi de l'assassin qui devrait se retrouver. Il s'agissait de Walter Sullivan, 4 avril. Toujours Walter Sullivan, donc il ressort. Elle est toujours poursuivie par sa guêpe. J'imagine, non. Généralement, c'est pour ça que les gens agitent les bras dans tous les sens. Ah. Alors, on l'a vu à l'extérieur, donc je pense pas qu'on va la voir par ici. Non. Et ici, rien n'a bougé. Ok. Bon, je vais quand même faire une petite sauvegarde. Tant qu'on est là, on en profite. Ok, donc on a un mec qui s'appelle Walter Sullivan, qui tue des gens selon un certain ordre, en gravant des chiffres dessus. Et... apparemment dans le cadre du culte de Silent Hill et de passer de la vie terrestre à la vie spirituelle, si on peut dire ça comme ça. Bon, après ça nous dit toujours pas pourquoi notre perso et quelles sont les raisons pourquoi tuer ces personnes aussi. Il y a des raisons. Il y a quelque chose qui fait que pourquoi il choisit un tel et pas telle autre personne, tout ça donc. Verrouillé par ici. Le
joli bré. On a une échelle. Voilà. Bon, au moins ils sont plus faciles à esquiver. Faire. La porte se frotte pas, on dirait qu'elle est verrouillée de la terre. Et j'ai deux échelles. Bon, je vais monter. Comment ça? D'accord. Okay. Donc je vais prendre celle-ci. Je crois. Hein. Là, il y a une porte, on va voir. Le silence d'un coup comme ça, c'est toujours particulier. Je sais pas si tu dois être inquiet que d'un coup il y a un silence le plus total. Ou être assuré, saloperie. Qu'est-ce qu'il y a ici? Attends, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une inscription sur la plaque. Tourne la roue hydraulique pour allumer la lumière des cellules du troisième. Attention, l'eau doit couler dans le sens de la roue. Et évidemment, tu dois aussi ouvrir la vanne sur le toit. Ok. Tu prends cette clé? Oui. Clé de sortie de la prison lacustre. Ok, porte le mot haut. Ok, on a une clé. Il va falloir actionner l'eau. Bon. Du coup, un objectif. Bon, ils viennent un par un, donc. Pour l'instant, ça se fait facile, quoi. On va pas sauvegarder cette fois-ci, mais on va voir si on a un papier, s'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la porte, de la fenêtre. Vous savez comment ça fonctionne. Alors je suis pas sûr de devoir le faire autant de fois, ou à chaque fois que j'en croise un. C'est juste que, bon, acquis de conscience, ça prend pas longtemps. Je me dis, il vaut mieux le faire, comme ça on est sûr de rien louper. Puis ça recharge la vie gratuitement. Donc ça reste pas forcément perdu comme temps. Donc elle a fini. Je vais y arriver. Personne ici. La télé s'est éteinte. Et sinon, rien. Rien de particulier.
Le ballon a disparu par contre. Ok. Moins ça c'est fait. Quand même c'est assez généreux hein, sur les sauvegardes. Il a la capacité de regagner sa vie. Pour l'instant, je trouve que ça rend le jeu beaucoup plus facile que les trois premiers. Qui sont pas des monstres de difficulté, mais ils ont quand même un petit peu de challenge en fonction des zones. Il y a certaines zones où c'est un peu plus compliqué que d'autres. C'est vrai que là, pour le coup, ça va, on a vu pire. Alors là, on a une gigantesque turbine. Immense porte avec le seau. Je n'arrive pas à l'ouvrir en grand. Okay. Ok. Ok. Le générateur ne fonctionne pas. Ouais. Donc, ça va être ça notre objectif ici. Pour le moment. Donc on va repartir par la porte, on avait emprunté directement, mais il y avait tout un côté qu'on n'a pas exploré. Donc on va y retourner. Il y a des bruits dégueulasses. Non, c'est un truc à ramasser ça. Rien porter. Ah merde. J'aurais dû déposer des munitions en retard. Où est-ce que je vais? On est d'accord là, il met... J'ai l'impression qu'il met une échelle, mais est-ce que c'est une échelle ici? Get me out! Get me the hell out of here! Non. Je comprends pas où est-ce qu'elle est leur échelle. Là. Ah, on a utilisé la clé. Oh, d'accord, elle est là l'échelle. Non, c'est une autre. Qu'est-ce que je fais? Je monte. Il y a une espèce de phare. Mais non, putain. Bah, je sais. Putain. J'ai appuyé trop vite, et du coup. Ah, donc là, si je prends l'échelle là... Je suis au-dessus. Exact. Ah non, ce qui met comme... Ouais, je suis en train de me dire pourquoi il y a un tunnel là. Non, c'est dans la pièce en fait. Le plan il est pas en 3D donc... Je suis pas sûr que ce que j'entends me place beaucoup. Ah, immonde. Quelqu'un qui pense ses affaires ici. Il y a quelque chose d'écrit sur le papier, on dirait encore l'écriture d'un môme. J'ai fait pipi dans ma culotte, il faut que je la lave avant qu'on s'en aperçoive. Oh, j'ai vu une ombre, on m'a vu. Ok.
pas envie de savoir si ces trucs peuvent m'attaquer. Apparemment vise, du coup je peux les écraser. Et ils me font mal en plus. Okay. Qu'est-ce que c'est? La bouteille est pleine de poudre noire. Ok, on a presque fait le tour. C'est un journal. Je surveille tout le temps la lorgnette de la salle de surveillance. Je sais qu'il y vient des fois. Je le sais parce que je vois une ombre qui bouge ou j'entends des pas. D'accord, donc c'est ça qu'on entend. Et là j'ai fait le tour. Non, il me reste encore deux pièces. J'ai bourré, hein. J'ai bourré comme ça. Comme un cinquième. Clairement. Ouais. Alors avant de monter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Chez nous pour regagner de la vie. Ah, il y avait un papier là que j'avais pas vu. C'est une note mal écrite. Pour arriver aux salles de surveillance du milieu, il faut passer par les trappes d'évacuation des cadavres des cellules. Celles des cellules du premier et du deuxième sont verrouillées. C'était pour empêcher le gosse de les trouver. Il faut aller au premier à partir d'une cellule du troisième. Je sais le faire, mais c'est une vraie galère et les projecteurs ne fonctionnent qu'au troisième. Ok, donc ça va être compliqué, là on est au premier, on était au deuxième, donc il va falloir monter jusqu'au troisième, c'est ça. Donc c'est notre objectif, mais je ne sais pas trop ce qu'on va affronter, donc on va revenir à la maison, tranquille, on va faire une petite sauvegarde, et on va regagner notre vie. Ainsi, je vais poser quelques balles, et enlever ben, du coup le club de golf qui s'est cassé. Malencontreusement. Et comme c'est toujours compliqué de réussir à gérer la distance dans ce type de jeu, bah t'as tendance à frapper un peu plus que nécessaire. Et du coup, j'ai malencontreusement explosé sur le sol. Et puis bah c'est tout. Voilà, comme ça on a un petit peu de place dans l'inventaire, si on trouve une autre arme de corps à corps on peut la prendre avec nous, et puis d'autres objets en cours de route, ce sera pas mal. Pour l'instant on n'a pas eu besoin du flingue, j'attends juste que ma vie soit complètement remise, voilà. On est prêt à affronter ce qui nous attend pour la suite. Normalement, on pourra passer par les échelles. Alors, il y a une échelle à côté de la porte. Je me doute qu'elle nous emmène à l'étage supérieur. Mais j'ai quand même envie de faire le tour par les escaliers. On sait jamais si on a un objet, une lettre, un mémo. Des choses comme ça qui peuvent être utiles. Jamais. Ça complète le plan. Je sais pas trop ce qu'il apporte, ce plan de caméra.
heureusement qu'ils font pas beaucoup de dégâts, mais... C'est un petit peu chiant, hein. Ouais, d'accord, donc... Là, je pourrais pas monter tout en haut, en fait. Ben, je devrais monter tout en haut si j'avais pris l'échelle. J'aurais pas pu m'arrêter au troisième. C'est ça, on est au troisième. Normalement, c'est par là qu'on va pouvoir redescendre. J'ai bien compris la note. Il y a des vêtements qui traînent. Papier. C'est un journal. On prend les journaux. On a mangé du ragoût de bœuf hier à la cafétéria. Non, attends. On a mangé du ragoût de bœuf hier. Point. À la cafétéria, on dit qu'il y a une chambre de torture derrière la cuisine. On récupère la chair des morts pour la faire cuire. Ça m'a vraiment foutu la trouille. Pas grave. Je vais morfler. Je me suis tenu debout devant la salle de surveillance et j'ai hurlé comme un dément. Mais personne n'est sorti. Ok. Un petit peu de dégâts pour avoir des papiers. On est d'accord, ça c'est le conduit qui va m'être utile. D'accord, Ken. Qu'est-ce que c'est que ces deux... Ouais. Je vais même pas tenter en rêve. Bonjour. Balle de pistolet, oui. Au revoir. Allez, il court. Il y a quelque chose d'écrit sur le papier. On croira que je dors, hein? Des pas? Et si on m'avait vu? Oh putain, il y en a plusieurs. Il y a un autre tunnel ici, ok. Ouah, à chaque fois j'ai chaud. J'ai chaud aux fesses. Oh, ça se fait pas. Ouch. Ça fait mal. Beaucoup de papier ici. Ben, beaucoup de livres. Mais apparemment, je peux pas les lire. Ah, là. Des graffitis. Je suis un génie. J'ai résolu le mystère de la salle de surveillance. Lumière et eau. Ok, si tu le dis. Alors. Je sais que la suite c'est par là. Mais il y a des choses à faire ici. Enfin, il y a des choses à explorer. Je sais pas s'il y a des choses à faire. Ah, ils ont pas fait long feu. Moi qui vous le dis. Non, mais je peux pas. Si, voilà. L'angle de caméra m'a bloqué. La porte ne s'ouvre pas, on dirait qu'elle est verrouillée à l'intérieur. Ok. C'est pareil ici ou... Une poignée, tu peux la faire pivoter. Envoyer de l'eau. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais on l'a fait. Ça ne s'ouvre toujours pas. Ici, j'ai des...
descends du coup, je suis obligé de descendre. Non, je suis pas obligé de descendre tout le truc, ok. On est au troisième, c'est ça? Ouais. Donc là, j'ai foutu de l'eau partout. Globalement. Bon, on va prendre les tunnels. Prochain. Aïe. Aïe. Il a confiance, hein. Où je suis là. Je ne comprends pas. Et là, je suis au premier étage. Ah. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir trouver le bon? De l'autre côté. Et je sais qu'il va te tuer. Alors je vais me soigner. On va se soigner. Et on va essayer les autres trous, hein, parce que je pense que les autres trous servent à quelque chose. Faut juste retenir lesquels on fait. Donc c'est pour ça qu'on va les faire dans l'ordre. Ce sera plus simple. Donc là ça va être un petit peu long, désolé, parce qu'il faut que la vie recharge. On va regarder si un... Non, j'ai cru qu'il y avait un post-it sur le mur, mais... Ah, là il y a quelque chose qui se passe. Le directeur de la résidence en train de s'embrouiller. Je comprends pas ce qu'ils disent. Ok, bon, ça s'embrouille. La vie est rechargée, c'est cool. On va quand même faire une petite sauvegarde là parce qu'on a quand même avancé. Ok. Elle est en train de, je sais pas, de réfléchir, de dormir. C'est une position bizarre quand même pour dormir. Au moins de réfléchir, c'est déjà ça. Du coup, on est reparti par ici. Les échelles hein, pour aller plus vite, évidemment. Donc, ici, on a pris celui qui était là. Oui, je dis là, mais ça sert à rien parce que je montrais qu'on doit à droite. Celui qui était à droite. Donc, on va prendre celui, ceux qui sont à gauche et on va commencer par le premier. Donc, c'est deux portes sur ma gauche. Une. Normalement c'est celle-ci, c'est ça. C'est ça que je veux prendre, voilà. Et là on va sauter. Et on va voir où est-ce que ce trou va nous amener. Qui l'amène en face, ok.
Il y a une porte qui était fermée, ou pas? Ouais, c'était une porte qui était fermée. Ici. Peut encore sauter. Wow! Se calmer? Ok, je me fais agresser dans les douches. Je passe. D'accord. Ça c'est une zone où on est déjà passé devant. Ah, il y avait plein de murs qui voulaient nous tuer et tout ça. Ça c'est pas mal. Une échelle, on monte. Ça a l'air plus propre ici. Il y a un document. Cet endroit continue de se détériorer. Plusieurs portes d'accès aux cellules ne s'ouvrent plus et les mômes ne peuvent plus sortir. Enfin, moins ils en savent à ce sujet, mieux c'est. Je n'arrive pas à ouvrir les portes, mais d'ici, je les vois maigrir à vue d'œil. Ils n'ont rien à manger et ne peuvent pas se laver. Ils sont réduits à l'état de tas difformes et purs. Optant pour l'idée d'un ingénieur, nous nous sommes débarrassés des corps en creusant un trou sous les cellules. Étant donné que chaque étage du bâtiment peut pivoter indépendamment, nous pouvons nous débarrasser des corps à l'insu des autres en alignant verticalement chaque cellule occupée par un corps. PS, chef. Je parie que vous avez hâte de voir la salle d'interrogation derrière la cuisine. Je comprends ce que vous ressentez, mais vous avez remarqué, il y a trois pioles contenant un lit plein de sang. Un au premier, un autre au deuxième et le dernier au troisième. Alignez ces trois pioles et hop, le tour est joué. Ah, bordel. Donc il va falloir aligner les... D'accord, ok. Donc ça c'est pour voir les salles. Ça c'est quoi? C'est un bouton? Non, je sais pas. Je veux monter. Un autre journal. Pour bien surveiller les mômes, les cellules doivent être bien éclairées. À l'origine, la lumière du troisième devait servir de projecteur. En cas de panne, il devait être alimenté par un générateur privé. Il y a un générateur hydroélectrique au sous-sol. Éclairer le premier et le deuxième étage avec les trappes d'évacuation des cadavres. Comme les étages du bâtiment pivotent, vous pouvez éclairer n'importe quelle cellule en faisant correspondre les trous. Faites-le tous les jours pour garder les mômes dans un état de peur constante. Ils sont plus faciles à tenir. Chef, si vous faites pivoter la poignée situé au milieu de la pièce, vous ferez pivoter les cellules. Le premier ne pivote pas, vous devez aligner le deuxième et le troisième sur la cellule du premier qui contient le lit taché de sang. Au fait, utilisez la lorgnette de cette salle pour savoir si tout se passe bien. Essayez et n'oubliez pas d'ouvrir la vanne qui se trouve sur le toit. Merci mille fois, chef. C'est un peu obscur dit comme ça, mais... Ok, ça va permettre de pivoter. Donc il va falloir aligner les choses... Ce mois-ci, le code secret d'accès à la cuisine par la porte de derrière est le 0302. Alors ça, je vais me le noter. Je vais me le mettre sur le coin parce que ça n'a rien à voir avec les meurtres. Merci de votre compréhension. Bon, c'est pas compliqué à retenir, mais on sait jamais. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'il me racontait? Non, ça on s'en fout. Derrière la cuisine, ok, je comprends ce que vous ressentez, mais vous avez remarqué, il y a trois pioles contenant un lit plein de sang. Un au premier, un autre au deuxième, et le dernier au troisième. Alignez ces trois pioles et hop, le tour est joué. D'accord, donc il faut que je trouve le lit plein de sang.
Évidemment, ça va être le dernier. Là. Celui-là, il a du sang. Donc celui près de la cloche rouge. À gauche de la cloche. Ça a changé. Ah, ça va être chiant ça. Ça va être chiant. Donc en fait, c'est en bas qu'il faut que je. Que j'aligne. Parce que c'est en bas qu'il n'y a pas de manivelle, c'est ça. C'est ça. Là. Il y a du sang, mais c'est pas ça. Celle-ci. Donc elle se situe deux tours à droite. Deux tours à droite de l'espèce d'alarme incendie. Donc là, deux tours à droite, c'est celle-ci. Donc c'est là qu'il faut que je mette celle avec du sang. Donc on va tourner. Est-ce que ça pivote de 1 ou de plusieurs? De 1, ok. Donc si celle-là, là, là c'est quoi? C'est pas celle-ci, il va falloir tourner une fois. Deux fois. Trois fois, ok. On va essayer de faire ça. Essaye, hein. Tâtonne. Une fois. De deux. Normalement, ça devrait être bon. En tout cas, pour cette étape. Ok. Là, elles sont alignées. On va aligner au-dessus. Où est-ce qu'il est? Il est là, donc 1, 2, et c'est bon. C'est pas bon. Encore une fois. Encore une fois. Ok.
Ok, normalement là, c'est aligné. On a dit deux à côté. Tac. Ok, tout est aligné. Ça, on est bon. Alors maintenant, je voudrais voir le deuxième rapport. Ok, normalement c'est que c'est bon. Il va juste falloir reprendre les tuyaux. Kids. I'm Andrew DeSalvo. They tried to make it seem like an orphanage, but according to that town's holy scriptures, it was actually the center of their religion. And that kid Walter, he was really into that mumbo jumbo. Especially that descent of the Holy Mother business. It was scary. Oh God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. On va partir d'ici, hein. Ok, donc c'est bizarre. Le gamin, c'est Walter, quoi. Et ça pose quelques soucis parce que Walter, il est censé tuer des gens. Donc comment ce gamin appelle Walter? C'est une bonne question. Je voulais voir si ça fonctionne, ça, du coup. On n'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas qu'il se vient. Donc la petite sauvegarde de sûreté. On va monter au troisième et on va prendre les trous qu'on a pris, qu'on a alignés. Et puis normalement, on devrait arriver à la cuisine. On devrait pouvoir faire le 0302 avec la salle d'interrogation. Et peut-être terminer le niveau. Ce serait bien. Comme ça, on arriverait à faire peut-être un niveau par épisode. Ce serait bien. Ce serait un bon rythme. On va quand même vérifier qu'il n'y ait pas des choses qui se passent. Ah, il est de retour.
Il retourne vite fait, hein, il passe vite fait devant. Rien de plus. Là, il n'y a personne. En tout cas, ce qu'on vient d'apprendre là par le type qu'on a libéré, ça perturbe plus qu'autre chose. Ça pose beaucoup plus de questions. Donc le mec il est allongé, là le mec qui avait toqué chez nous. Toujours les mêmes gens, rien de particulier. Le ballon est de retour. Et rien, ok. Ok. Petite sauvegarde. Hop là. Et on repart. On va prendre les échelles, normalement ça devrait aller un peu plus vite. Non, c'est par là. C'est par là. Au début de l'épisode, on avait des pistes, on avait quelque chose de plus ou moins établi, en tout cas des pistes plus ou moins établies plutôt que de réels faits et certitudes. Mais ce qu'on vient d'apprendre a vraiment tout chamboulé et tout remis en question. Il va falloir attendre de nouvelles révélations. Est-ce que je suis? Je suis là, donc il faut que j'aille dans ce sens-là. C'est pas là. Je sais pas s'il faut que j'aille au troisième. Si, je crois que les portes étaient fermées, hein, du premier et du deuxième. Donc la logique voudrait que. Oh, vas-y. Ce serait la deuxième porte. Non, ça a bougé. Ça a bougé. Merde. Ouf, il va me sauter dessus. Et c'était la porte. Ah, il m'a touché. Merde, je sais plus. Non, c'est là. Deuxième lit. Troisième lit. Kitchen. Parfait. Et quoi? Putain. Il y a une plaque sur la porte. Tu veux retirer la plaque? Oui. La fiche de la vigilance. Là, on sait que c'est 0302. Je note.
sans surprise, le mec est mort. 1821, donc ça arrive après. Après le mec de la forêt. Le ciel a changé de couleur. On est à un autre moment de la journée. De ce que j'en observe. Ok. Une inondation chez moi. Un papier. J'ai trouvé un truc super efficace contre les fantômes, ça m'a sauvé la vie. C'était planté dans le gros rocher dans les bois près de l'orphelinat. C'est une lame de sabre avec une poignée en bois triangulaire artisanale. Et une espèce de charme écrit dessus. Comme arme, c'est lourd et dur à transporter, mais arrégé au pouvoir des fantômes de victimes. Frappe quand le sabre est amorcé, si tu ne réduis pas leur pouvoir, tes attaques seront repoussées. Autant que je sache, il n'en existe que 5. Ce genre de pouvoir est extrêmement utile. Le 23 juillet. Ok. On est d'accord, c'est même la salle de bain. On va aller par ici. Rien du tout. Alors, je sauvegarde. On va checker un petit coup d'œil. Et on va s'arrêter ici. Ah oui, c'est plus un trou. Du sang, c'est taché de sang. L'odeur est épouvantable, c'est comme la pièce remplie d'eau sous la prison cylindrique. Au revoir. Au revoir, au revoir. Bon, bah sur ce, nous, on ira voir d'où viennent ces pleurs et pourquoi ce trou s'agrandit de plus en plus. En tout cas, on a fini un niveau. Il y a des gens qui parlent là. How's it going with room 302? Well, I just tried to open it up. But it looks like something's blocking it from the inside. Huh. Anyway, it's not the first time. You mean the guy who lived here before? And it wasn't just him either. There's something wrong with his whole apartment. Slipped a note under his door. Don't worry about it too much. There are a lot of strange things in this world. The umbilical cord I keep in a box in my room. Lately it's started to smell terrible. Huh? Umbilical cord? Forget I said anything. But still, those noises. C'est très rassurant, cette personne qui indique qu'il y a un cordon ombilical chez elle. Qui m'a glissé un billet taché de sang. Il est taché de sang et illisible. Les mots du directeur. Ouais. Bien.
Et bien sur ce, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes toujours aussi intrigué d'avoir un petit peu le fin mot de l'histoire et de voir un petit peu comment tout cela va se goupiller, même si ça restera certainement assez cryptique. Ce sera à nous de faire nos interprétations et de démêler un petit peu toutes les pièces. En tout cas, ce que je vous dis, c'est que je vous laisse là et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je me suis perdu dans la fin. Je vous dis à la prochaine et en attendant, portez-vous bien.